Et bien salut tout le monde, c'est Farodium, on se retrouve pour l'épisode 46 sur Dark Souls Preparatory Edition sur PC. Aujourd'hui est un épisode particulièrement cool, je pense. Enfin, c'est un grand épisode, c'est un grand jour. Parce que nous allons aller affronter l'avant-dernier boss du jeu. J'aurais vaincu d'ailleurs tous les boss du jeu. Que ce soit les boss optionnels, les boss de ce DLC et les boss principaux bien sûr, hein, sinon je ne serais pas ici. Et voilà, du coup c'est l'avant-dernier boss et il s'agit de Calamite. Calamite qui est un dragon. Alors, un dragon, oui. Je rappelle que je suis un grand fan des dragons, j'adore les dragons. Du coup, je sens que c'est super. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que le dernier boss qui m'a le plus marqué, en quelque sorte, où je me suis vraiment amusé, c'était Manus. Donc Manus que j'ai affronté il y a deux épisodes. Lors de l'épisode 44, voilà, que je vous invite à aller visionner d'ailleurs, même si c'est un épisode pour moi qui a été raté. Raté dans le sens où j'ai dû recommencer l'épisode parce que je me suis foiré lors de la configuration de son de mon micro et du jeu. Mais il n'empêche qu'il était vraiment classe. Il était vraiment super. Et du coup là, aujourd'hui, attention, bonne chance, merci. C'est parti pour Calamite. Allez. Ah, c'est plus loin. Crotte. Allez, 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 allez. Ok, go. On descend. Tiens, d'ailleurs, il y a un... de merde pour récupérer le peu d'armes que j'ai perdu. Voilà, Calamite, le dragon noir. Où es-tu? Alors, ce se trouve, il est derrière moi. Oui, bonjour. Où es-tu? Ah, tu es là. Et il a trop la classe, il fait peur aussi. Oh là là, maintenant que je suis en face de lui, les mecs, je me sens un peu. J'ai un peu la boule au ventre, on va dire. Tu fais mal. Tu vas pas me dire que t'es plus fort que Manus. Non. Ce serait quand même abusé. Par contre là je vois où t'es. D'accord. Ok, bon ça va, on a quand même des popos qui régènent beaucoup de PV. Ah oui, ça faut esquiver. Alors oui, rappelons que monsieur a tué que. Salut, je récupère ça si tu permets. Alors monsieur a une queue. On va essayer de récupérer bien évidemment. Enfin on va essayer de couper. Parce que bon, récupérer la queue en elle-même. Moi non, c'est pas. C'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai déjà vu un combat contre ce boss là. Hein, et je sais à peu près le meilleur moment pour. Pour le couper ça. Pour le couper ça. Là maintenant, ok d'accord, je me suis pris un coup de tafan. Salut, ouais, t'arrêtes de cracher là, c'est chiant. On va profiter pour lui baisser un peu sa vie. Aïe. Oula, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas pris de dégâts. Je devais être en plein. Ok, je suis où là? Allô? Ok, donc on va soigner avant que ça pue. Hop, on lui donne un petit coup. Aïe. Allez, voilà, frame d'un vue. Frame d'un vue. Il a un peu une vulnérabilité. On reste collé à lui. Ok, d'accord. Il fait un petit tour de lol. Ah non, il crache encore. D'ailleurs, que tu me la mets à disposition quand tu veux. Enfin, quand même. Ah mais c'est là, c'est quand tu fais ça. Ah merde, je viens de capter que maintenant. Vas-y, remets-toi sur les fesses. Voilà.
Allez, hop, on a donné un coup. On reste accroché à lui, voilà. C'est nickel. Ah non, merde. Ok, non, j'ai pas eu ça bleu. On va se coller à lui en espérant qu'il se remet debout. Ah non, attends. Ouais, non, pas comme ça. Comme ça. Ah non, ça va, j'ai cru que son truc allait super loin et me toucher. Ah, merci à mon bouclier à 100% de... Ah non, et non, c'était pas ça. Ok. Là, il fonce, là, il crache. Hop. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Je me suis quand même un peu soigné, c'est déjà ça. Allez, calamite. Ah, ah non. Aïe, aïe. Aïe. Bon, ça va, elle me fait pas tant de dégâts que ça. Alors c'est quoi? C'est parce que j'ai une armure correcte ou je sais pas, j'ai une résistance ou aux attaques psy. non. C'est pas ça. Plop, plop, plop. Pas mal là quand même. Hein. Bon, sinon, je souhaite que. Je souhaite couper ta queue avant de t'achever, s'il te plaît. Ça serait plutôt pas mal. Ouh là là là. Allez, petit. Ah non. Non. Il viole mes pensées. Ah. Et non, c'est pas ça. Bon. T'es quand même un peu casse-couille hein, pour ta queue, hein. On se soigne, on a déjà bouffé la moitié des popos. Ce serait bien qu'il me reste un peu pour t'achever quand même. Hop là, bon. Je vous donne un petit coup sur le buisson. Oula, ça a bugué là, je sais pas pourquoi, mais. Aucun dégât. Alors, oula, 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 oula. Et non. Quand il fait cette attaque là, il prend. Il me laisse pas assez de temps pour aller derrière lui. On va rester un peu devant lui. Hop, sur la gauche on esquive. Non, c'est pas ça. Aïe, aïe. Ok, c'est bon, je vois pas où je suis. Mais je me suis soigné, c'est le principal. D'accord, je me suis pris les dégâts. Oula. Oh là là. Aïe. Je vais vite l'abandonner ta queue moi si tu si tu continues là. Oula, 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 aïe. Oula, du calme.
Allez mon gros. Par contre, cette attaque-là ne fait aucun dégât. D'accord, ça va, ça ne fait rien. Ouais, non, faut vraiment que je le lock, sinon je prends des dégâts. Ouais non non si je vais le délog je me prends plein la face. Ouais non ça que trop là, je suis pas là. Ouais putain tu commences à me casser les couilles là quand même Hein? Que j'ai pas des popos illimités moi. Mais non mais pourquoi tu fais cette attaque là et pas l'autre? Oh non, what? Bon bah voilà, c'est ce qu'on appelle quand le jeu décide que tu vas mourir. Voilà. Je me suis jamais pris autant de dégâts d'un coup. Enfin, je m'en souviens pas quoi. Là, c'est le jeu, il a dit ça fait trop longtemps que le combat est dur, tu fous rien, alors vas-y, crève. Voilà. Donc en gros, quand on dit que les jeux trichent. C'est pas pour rien. Je me suis fait défense alors qu'il me restait largement assez de vie pour pouvoir résister à l'attaque. Bon c'est pas grave, on va retester. Mais non, non, mais le... Bah, le boss en fait il est pas si dur que ça. Hein. Je m'attendais, il y a quand même un peu mieux. Hein. Mais bon. C'est pas grave. Bon du coup, est-ce que je prends la peine d'avoir son épée? Est-ce que je vais essayer de... Est-ce que je la garde pour la saison 2 Je sais pas. Ah tiens, il m'a lâché un truc. Non. Ah non, non c'est moi qui rêvais. Okay. Enfin ouais, c'est pas grave, hein, on y retourne. On va quand même réessayer avec sa queue si... Mais vraiment si... Bah si je descends déjà en dessous de 10... c'est bon la queue j'essaierai de la prendre lors de la saison 2 hein. On va bouger des trous là bas on va essayer de récupérer nos âmes en tout cas il est classe quand il arrive regardez quoi. Par contre ce serait con que je meurs d'un coup parce que mais comme il fait peur hein, quand il arrive il fait super peur. Enfin moi il me laisse un sentiment de bah, d'être petit et d'être faible. Alors là ce qui s'est passé un ras le cul. En fait dès qu'on est proche je trouve qu'il perd son il fait plus aussi peur que ça. Oh d'accord, ok. Il fait ses attaques plus en direct. Ok. Attends. Ça vous voyez, j'ai vraiment pas le temps. Ouais non non ça sert à rien, ça sert à rien, faut que je le lock. Aïe. Ah, what the fuck. Eh, t'as fini de me donner autant de dégâts qui... Normalement, je sais pas. Ok, c'est bon, on a réussi à se soigner.
vraiment une zone énorme. J'ai pas. Alors c'est quoi le truc qu'il fait? Est-ce qu'il faut que je reste devant lui pour le forcer à, voilà, à faire ça? Et c'est quand il fait ça que je peux le toucher, sauf que j'ai pris trop de temps. Du coup, on va essayer de le refaire. Oula. Ouh, c'est passé pas loin là, j'ai pu faire une grosse bêtise en déloquant. Voilà, c'est ça. Et non, je mets trop de temps à réagir en fait. Vraiment pas loin à chaque fois, hein. Ok. Non. Sur la gauche. Bien, bien, bien. Oula, c'est passé. Ouh, c'est passé un truc bizarre là. Oh, c'est nouveau ça. Oh non, j'avais une opportunité là. Forcément. Aïe. Allez. Et non. Ah. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et bon. Hop là. Il est ce qu'il est. Aïe. Le mec, c'est Dieu, ma queue. Bah tiens, bouffe là. Allez, quoi, en plus, une arme unique. C'est d'attendre qu'il nous charge, on se met derrière lui. Voilà, comme ça. Allez, ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai pigé le truc. Allez, voilà, espadon obsidienne. Allez, c'est parti, on fait ta fête, mon coco. C'est parti, cool. Par contre, je suis un peu plus loin que ça.
sinon la musique est toujours aussi classe. Hein. Ah non, mon dieu, je vois des images bizarres. Peut-être tu n'as pas envie de vivre. Hein. Ouais, par contre, cette attaque-là, je la déteste. Je l'aime pas du tout. Et quand je prends une attaque sautée, ça marche pas. Aïe, tout là-bas. Bon. Évite de mourir bêtement, s'il te plaît. Ça serait plutôt pas mal. Ok. Pourquoi pas foncer dans le mur. Là, une attaque et je peux mourir. Hein. On a vu ça tout à l'heure. Hop là. Aïe. C'est pas pour ça. Ah non, non. Bon, vous me direz maintenant qu'on a récupéré l'arme, qu'on a récupéré l'épée unique, qu'on va voir tout de suite, on va pouvoir lui faire sa fête, je pense que le combat ne va pas durer trop longtemps. Et voilà, c'est l'espadon d'obsidienne, cette arme draconique rare est formée par la queue du dragon noir Borgne Calamite, le dernier des dragons anciens. Le pouvoir mystique de cette arme d'obsidienne est libéré en la tenant à deux. Et pour une arme draconique, pour une arme en gros, je la trouve vraiment classe. Hein. Elle est pas. Bah, elle est pas autant dégueulasse que la grande épée dragon. Elle est classe. Moi j'aime bien. Moi je l'aime bien. Du coup, on va reprendre la grande hache. Et c'est parti pour Calamite. On y retourne. Et là, ce sera le dernier round. Mais je suis un peu déçu quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué pour un. Pour ce boss. Je le voyais plus dur. Là, vraiment la première fois c'est le truc qui m'a fait pas mal de dégâts. Allez savoir pourquoi. La deuxième fois bah, il a décidé de me faire deux charges d'un coup, ce qui a baissé mon endurance. Et il m'a empêché de me soigner. Et voilà, du coup je suis mort. Je vois même pas le chien moi. Et relou les chiens. Bon, d'accord. T'es bugué, t'es là, regardez mon slip. Il y avait beaucoup de chiens d'ailleurs. J'aime pas le. Ah non, d'accord, il était dedans. Allez hop. C'est bon. Calamite, c'est reparti. Il y a quelques PV qui nous manquent. Hop là. Et voilà, voilà. On descend.
poudre. En tout cas, à la limite, le dragon noir. D'ailleurs, on va récupérer le dernier loot qui est là-bas. Avant que le monsieur il arrive. Ah, ça se trouve, là, je dis, on va le défoncer, mais c'est peut-être lui qui va me défoncer. Et je vais rien comprendre à ma vie. D'ailleurs, on est mort tout à l'heure. Ah, on est mort derrière. Non. Bien. Ah ouais, d'accord. Même pas j'ai bouclé le jet, mais le mec en a rien à foutre. Voilà. On reste à 100% de vie. Et pourquoi c'est pas bon ça? Parce que le monsieur il a. Il a récupéré sa queue. Voilà, ça va boire. Mais à chaque fois ça passe à travers mon bouclier quoi. Oh allez, frame d'invulnérabilité. T'es vu, chance. Allez, monsieur. Et à chaque fois là. Voilà, allez. Aïe. D'accord, bon si je me protège pas aussi, c'est sûr que. C'est sûr que je vais vite mourir. Ah non, peut-être que c'était pas la fin. C'était peut-être juste parce que j'étais trop loin tout à l'heure. Ah. Ah, le retour des images choquantes pour les moins de 18 ans. Enfin, interdit au moins de 18 ans. Faire un roulé boulet ça suffit pas. Oula, par contre il y a mon couple là qui se tord. C'est chez moi ma colonne vertébrale se casse hein. C'est quoi ces dégâts qu'il fait dans what the fuck. C'est pas autant de dégâts tout à l'heure. Est-ce que plus c'est plus son bas plus il fait mal hein. Est-ce qu'il a l'anneau clair rouge je sais quoi quoi. Ouais super. Alors va
bien. Et ça, c'est la phrase qu'il ne faut surtout pas dire quand on est en train de battre un boss. Parce que c'est là où le jeu va nous dire ah non, ça se passe pas bien, tu vas mourir. Et voilà, pour des raisons qui nous sont complètement obscures, on prend plein la gueule et. Ça va, en popo, on est quand même plutôt plutôt bien. Ah, ok, il a tourné un peu plus sa tête sur la gauche. Aïe. Oh, mais c'est sûr que si tu m'attaques sans que j'ai le temps de me relever avant. Il m'en veut hein. Voilà, je sais pas ce que tu fais mec, mais ton débit d'attaque il a changé ou quoi? Ok, on s'en met full life. On attend d'avoir une opportunité pour l'attaquer. Ok d'accord, ça va plus loin que tout à l'heure hein. C'est moi où il y a un truc qui a changé chez lui là. Il m'a l'air plus réactif. Ou c'est moi qui suis moins réactif que tout à l'heure. D'accord. C'est bizarre le truc qu'il a contrôlé quand même. Une com c'est bizarre. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Aïe 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 aïe. Alors je peux pas me soigner que t'attaquer. Ah. Bon bah. Si tout se passe bien, on devrait pouvoir le finir dans pas longtemps. Précipitons surtout pas. Pourquoi tu l'as déloqué? Enfin, surtout si tu fais cette attaque là. Allez, t'es fini. Au revoir, Calamite. T'étais vraiment classe hein, quand même. J'adore son design. Bon, après le combat, une fois qu'on a pigé le truc, voilà, pas grand chose d'exceptionnel. Bon, je m'attendais quand même à mieux. Un peu déçu. Un peu déçu pour ce boss. Ah. Ouais. Là, vous me direz, je crois que c'est le seul dragon qu'on combat du jeu, hein, je crois. Attendez, je dis peut-être des conneries. Mais non, 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 si je me souviens bien, c'est le seul qu'on combat. Donc du coup, ce qu'on va faire. On retourne à la ville de la Cile, voilà. On va peut-être monter le level, ouais j'ai assez. Qu'est-ce qu'on va monter encore? On va monter l'endurance, toujours l'endurance. C'est très important l'endurance. On va se téléporter vite fait. C'était quoi ça? On va se téléporter au sanctuaire de la Cile, voir si Elisabeth n'a pas quelque chose à nous dire. Oh non, peut-être vous, il a peut-être chose à nous dire. Attendez, on va voir Isabelle, Elisabeth d'abord. Salut. Struggling. Ouais, est-ce que je vois. What?
Only he was dreadfully, and I'm afraid that he is still amongst your hat. Ouais, donc c'est May the flame. Okay, okay, d'accord. Ouais, donc ce mec c'est le vendeur là-bas. On va retourner voir Gook vite fait et on va mettre fin à l'épisode de... Bah, on va mettre fin à l'épisode, tout simplement. Alors Gook. Mon ami Gook, as-tu quelque chose à me dire du genre « Ouah, tu l'as vaincu, c'était incroyable !» Non. Ou as-tu quelque chose à me donner aussi? Non, je sais pas. Mais ouais, on est vraiment à la fin du jeu, hein. Donc en gros, là, il reste un épisode où je vais aller à droite à gauche récupérer un peu ce que j'ai manqué. Si je m'en souviens. Et faire ce que je n'ai pas fait. Et aussi, après le dernier épisode, quoi. Le dernier épisode. Defeated Calamite, wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon me. That beast will never take to the skies again. Ouais, et c'est triste. Je suis triste, j'ai tué un dragon. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 60 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At our twilight, old thoughts return in great waves of nostalgia. What? This great bow, I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Hop là, nous avons le grand carré de Gouga. Do not mistake, I cherish my power. I have much to talk about. In truth. Ok, donc bon, ok, plus rien à dire. Eh ben, t'inquiète pas, mon pote. Je vais renvoyer Gwen d'où il vient. Je vais l'envoyer dans son trou. Par contre, ton arc, je voudrais bien voir ton arc. Là. Ah, dextérité, non, dommage. J'ai combien en dex modère? Dextérité, j'ai 13. Oh, je suis loin, je suis très loin. Du coup, comment qu'on sort d'ici? Ah, il faut peut-être revenir au tout premier feu. Au tout premier feu, donc faire demi-tour. Hein. Ok, bah de toute façon on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, en tout cas, malgré une petite déception pour le boss, il aura quand même été sympa à vaincre. Et de toute façon, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, c'était Pharonium. Où est-ce que c'est là? C'est là.